Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui la gamme de couteaux japonais de Yoshimikato, la gamme Kintaro. Donc Yoshimikato qui est le gendre de Hiroshi Kato, le célèbre maître forgeron japonais qui forge des couteaux depuis presque 60 ans maintenant. Donc là son gendre, on peut voir qu'il a également un joli savoir-faire avec cette belle lame en acier VG10 damassé. Donc là on est sur une gamme avec des manches riftées, des manches en pack à wood. Voilà, on voit bien le dessin du manche, une très bonne prise en main sur ce couteau petit en 14,5 cm. Voilà. Ensuite, dans la gamme, on retrouve un couteau Santoku, donc le célèbre couteau polyvalent japonais, le couteau émincé. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les lames sont gravées par l'artisan. Voilà, Yoshimikato grave toutes ses lames au burin. Voilà, donc le Santoku, le couteau à émincer. Et ensuite, je vous montre, toujours dans cette gamme, le couteau à légumes, le Nakiri. Ici, en 18 cm, avec une lame bien haute. Là, vous voyez, le motif du damas est vraiment joli sur ces lames-là. Plusieurs dizaines de couches, de part et d'autre, du VG10. Et toujours ce joli manche en pack à wood qui procure une très bonne prise en main à l'utilisation. Voilà.